Salut, moi c'est Jean Seb et je suis professeur de chant. C'est un instrument qui est à la portée de tout le monde, quel que soit l'âge, et qui a un très gros avantage, c'est qu'il ne prend pas de place pour partir en vacances. Travailler sa voix permettra de chanter sans se blesser, de pouvoir chanter des chansons qui nous paraissaient inaccessibles, et de pouvoir interpréter, de mettre des nuances, hein, de vraiment pouvoir jouer sa chanson. Je préfère que mes élèves viennent avec leurs chansons, leurs choix, que les chansons leur parlent. Ils aiment interpréter des chansons qui ont une signification pour eux. Après, en fonction de leur goût, je peux leur faire écouter des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Le solfège est un outil très intéressant, mais pas du tout indispensable au début. On peut apprendre à chanter toute sa vie, sans connaître un bout de solfège. Donc, mes élèves les plus jeunes avaient une dizaine d'années. Après, je conseille de venir plutôt à partir de 12-13 ans. Et donc pour les élèves plus jeunes, on a mis en place un ensemble vocal de jeunes enfants de 10-12 ans. Le plus important pour un chanteur, c'est de trouver le répertoire qui lui correspond, les chansons qui lui parlent, qui ont de la signification pour lui, et donc dans lequel il va prendre du plaisir à l'interprétation. C'est une élève qui chantait au conservatoire et qui avait du mal et qui à la fin du cours m'a dit « D'habitude quand je sors du conservatoire, du cours de chant, je suis en pleurs et là je pars avec le sourire. » Le plus simple pour savoir si le chant vous plaît, c'est « Venez essayer avec moi. »